Donc, comme ça, vous avez des problèmes avec vos altérations. On va regarder ça. Alors, ouvrez la bouche. OK. OK. On va essayer quelque chose. Dites coup. 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 Ça devrait marcher pour toi. Peut-être coup. 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 Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de pas correct. OK, on va essayer un autre. Dites aïe. Aïe. Parfait. On va essayer encore une fois. Aïe. Et prenez votre temps sur le i, hein. Je crois que vous êtes vraiment prêt pour faire des altérations. Faut juste se pratiquer. Ah oui? Ah youpi! Aujourd'hui, en Minecraftville, on continue notre exploration des altérations ou des bends. Yeah! Tu me l'as demandé et redemandé. Aujourd'hui, on va rentrer dans le monde des altérations. On va aller voir le quatrième et sixième trou. Parce que ben, le premier trou, on l'a déjà fait. Si tu l'as pas vu, de grâce, avant de regarder ceci, va le voir. Ça va déjà te préparer. Et j'espère que tu as quand même bien travaillé ton premier trou altéré ou bendé. Parce que le 4 et le 6 ont un niveau de difficulté un petit peu plus élevé. Mais généralement, ça se fait bien. Il faut juste que tu donnes une chance. C'est normal si aujourd'hui, même si tu comprends le concept, que tu n'es pas capable d'y arriver. Il y en a qui vont le pogner plus vite que d'autres. Mais à long terme, tu vas te faire une musculature buccale et une mémoire aussi. Vraiment buccale parce que c'est vraiment un feeling bendé qu'on se rappelle à force de le répéter. Bon, sur le premier trou, on avait vu que... Il y avait une histoire de descendre simplement la mâchoire et ouvrir la gorge qui donnait... Ce qui fait que, première chose, je vais le répéter, souvent les gens qui apprennent à faire des bends arrivent tant bien que mal à les faire du 1 au 6, et après ça, du 7 au 10, ils trouvent que ça bloque, que ça marche pas bien. La loi numéro 1 ou la règle à comprendre, tu peux altérer ou bender la note la plus aiguë de ton trou. Ce qui veut dire que du 1 au 6e trou, ta note la plus aiguë est tirée. Et là, rendu au 7, du 7 au 10, ta note la plus aiguë, c'est la note poussée. Donc, de 1, commence par les notes de 1 à 6, mais quand tu vas arriver du 7 au 10, essaye pas de bender ou d'altérer en tirant, c'est en poussant. Deuxièmement, sur le premier trou, quand tu pousses, c'est do, et quand tu tires, c'est ré. Si tu as déjà joué sur un piano, il y a la touche do, la touche Ré, deux touches blanches, et entre les deux, il y a une touche noire qui s'appelle Do dièse ou Ré bémol. Bref, c'est la note que tu vas chercher en altérant. Si on va sur le quatrième trou maintenant, et il y a une raison pourquoi je saute le 2 puis le 3 plus le troisième trou tout de suite, parce qu'ils sont un petit peu plus difficiles et exigeants, donc pour te donner une chance, on commence sur le 4. C'est encore les notes Do, Ré. Donc quand tu vas bender ou altérer, tu vas obtenir les mêmes notes que sur ton premier trou. Écoute bien. C'est les mêmes notes, plus aiguës. Bon, comment arriver à bender sur le quatrième trou? Là, il y a le concept de la langue qui va venir importante et du palais. Parce que souvent,
Un bend ou une altération, c'est juste que ta bouche réussit à compresser l'air, ce qui fait accélérer un peu la vitesse de l'air. J'ai arrêté de me battre avec ça, je vis avec très bien. Il faut que tu compresses l'air, donc ta langue va aller exercer une pression sur ton air. Mais évidemment, comprends quelque chose, si je veux écraser de quoi à une main, ça me prend un appui, un autre côté pour écraser. Donc, tu peux penser à ta langue, mais prends conscience que ton palais va recevoir un peu cette pression d'air-là, puis ça va te permettre de cibler ou exercer la pression pour altérer. En gros, si tu es capable de dire coup, coucou, coucou, comme coucou, tu as déjà la mécanique pour altérer. Si tu ne te rends pas au ou et que tu fais juste ou, ça va te donner un petit bruit de dentiste, espèce de bidule qui te met dans la bouche qui est toujours très sympathique. Quand tu baves et tout. C'est exactement ça qui va te permettre de bender sur le quatrième trou. Il y a différentes onomatopées qui vont réussir, mais j'ai remarqué que le fameux K de coup facilite la chose. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu dis tu vas sentir une pression d'air sur ton palais, puis tu vas sentir que l'arrière de ta langue choup, monte un peu. Va pas trop en avant de ta langue, ça va être plus difficile, puis tu vas le chercher. C'est vraiment l'arrière de ta langue qui va aller écraser l'air sur ton palais. Au début, c'est normal que tu brusques et que ça te donne. Le petit R, c'est que tu fais roux et habitué à coup. Puis tu peux vraiment pratiquer tout simplement un. Une fois que ça va bien, prends conscience que quand tu vas vouloir altérer, c'est en inspirant. Donc, c'est hyper pratique le pratiquer sans l'harmonica. Donc, si tu trouves que tu manques de temps pour ton harmonica, profite de ta marche, de quand tu es dans la douche, que quand tu es inactif, parce que si tu fais du beatbox ou tout, tu as déjà commencé à pratiquer ça, ce qui est très, très, très avantageux. Donc, qu'est-ce que je fais sans l'harmonica? C'est comme si j'aspire. Et à long terme, tu vas adoucir et ça va te permettre d'avoir des nuances sonores. Parce qu'au début, quand on bend, souvent, c'est fort. Et des fois, tu vas te rendre un peu, tu vas le sentir. Ça, c'est que tu travailles un petit peu trop avec le devant de la langue en général. Pense plus arrière, cou. Une fois que tu as ça et que tes voisins ont vraiment plein leur case de t'entendre faire puis que toi, tu es satisfait parce que tu entends vraiment le ben commencer à arriver, reste-en pas là. Parce que c'est bien rare que dans une mélodie, tu vas juste faire. Merci, merci. Ça te prend un peu de musique pour garder ça plaisant et musical. Fait que souvent, qu'est-ce que je fais? C'est que je pratique tirer le 4, bender le 4, tirer le 4. Fait que c'est comme tire, bend, tire. Puis tu vois que dans le tai chi benjaminesque, quand je bend, j'ai tendance à baisser la main de même. On regarde bien. Une fois que tu as ça, on va te faire déplacer le geste pour te faire une petite micro-phrase. Ce qui veut dire, je vais faire tire 4, bend 4, tire 4 et tire 5. Écoute-les bien. Une autre fois. À noter, pour altérer, il faut que tu isoles les taux. Tu t'en sortiras pas. Ça se fait, mais c'est beaucoup plus difficile en dépassant que si tu isoles bien ton air. Une fois que tu as ça, tu peux aller chercher une autre micro-lick. Tu es parti vers la droite. Là, tu vas aller vers la gauche. Fait que tu vas faire tire 4, bend 4, tire 4, tire 3. Ce qui donne. Encore une fois. Fait que là, t'as deux micro-licks ou micro-phrases très cool, écoute-les bien. À
Après, tu vas voir que pour adoucir, le K va venir moins important. Tu vas juste être capable de compresser ton air. Versus avec un K. Tu sens un côté plus sec qui sépare tes deux notes. Il y en a qui vont prendre des tout aussi. Ben, il y en a. On alterne entre les différentes épices, t'sais. Fait que ça dépend des pièces et situations. Si je te fais A, tout, A. Tu vas voir qu'en l'explorant, tu vas voir les différentes possibilités, puis tu vas choisir selon les situations. À long terme, ces petites phrases-là, en répétition rapide, donnent des choses assez intéressantes ou impressionnantes, ce qui donnerait... sur le 5, ou si je m'en vais sur le 3... Ah, ouah, 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 ouah. Mais ça, c'est à long terme. Pour le moment, concentre-toi à juste essayer d'arriver à bender ton cap, puis tu vas voir que ta musculation buccale va augmenter, donc ça va te permettre plus de subtilité et nuance. Le mot d'ordre, donc, pour le 4, c'est un genre de coup sans le ou, juste le comme je disais, du beatbox, quand ils font je suis vraiment pas un spécialiste, mais ça donne une idée que tu peux vraiment pratiquer juste à faire du beatbox, puis tu t'entraînes pour les altérations de l'harmonica. Maintenant, on va aller sur le 6. Des fois, quand je vois que les gens qui explorent les bends, le 4 pose des difficultés. Il y en a qui le pognent tout de suite, puis c'est merveilleux. Tu vas voir que quand tu découvres une altération, tu es très heureux dans ton cœur. Si je vois que c'est plus difficile, je m'en vais sur le 6 parce qu'il est un petit peu plus délicat. Le 6... écoute-les bien une fois. Et oui, si tu penses Morricone style. On pense souvent à cette petite mélodie-là qui revient dans la pièce. Donc, si tu comptes vouloir jouer « Il était une fois dans l'Ouest » et toutes ces tunes qui nous ont beaucoup marqué, ça va te prendre tes altérations. Le bend sur le 6, c'est... je pars de A et je m'en vais vers U. Sauf que je passe par un pont qui s'appelle I. Donc, ça fait... I... comme un IU, mais je reste beaucoup sur le I, puis progressif, parce qu'en fait, ton altération, tu vas te rendre compte, est dans le I ou dans le geste du I pour aller au U. Tu te rendras même pas au U en général, puis tu vas bender. Ça se passe encore arrière de la langue. Des fois, tu peux sentir que ça va travailler un petit peu plus en avant. Exemple, écoute bien, je vais prendre vraiment mon temps. Je pars d'un A, puis je suis pas pressé d'arriver à U, parce que je sais que c'est pas la finalité. Je risque de me rendre avant sur l'altération. Écoute ça. Tu peux vraiment te pratiquer à ça. L'idée, c'est pas de le forcer puis que ça donne. Si ça fait ça, c'est que ta langue s'est trop dirigée vers le palais, puis là, elle coupe carrément l'air, ce qui veut dire que ça fait aïe. Et là, tu viens de perdre la note. Il faut que tu te rappelles que ta langue se rapproche de ton palais, mais ne touche pas à ton palais. Tu vas sentir quand même une pression d'air qui s'exerce beaucoup sur le devant de la langue. Cherche pas avec le bout. Souvent, on entend ça. Là, c'est carrément le devant que j'essaie d'écraser l'air, mais ça se passe plus milieu. Même arrière, tu vas voir que ça, d'une personne à l'autre, ça change. Mais si tu te concentres sur AIU, ça va bien marcher. Une fois que tu es capable, que tu es arrivé à bender ou à altérer ton sixième trou tiré, on va prendre le même concept que sur le 4. Tire le 6, bend le 6, tire le 6 et tire le 7. Ce qui ferait...
Encore. Et tir 6, ben 6, tir 6, tir 5. Ce qui te donne encore des possibilités avec la répétition, là. Et ainsi de suite. Dis-toi que c'est vraiment une vidéo pour te donner des trucs, les onomatopées. Il faut que tu l'explores, il faut que tu l'essayes. Oui, des harmonicas ajustés peuvent t'aider un peu, mais on a tout commencé en général sans harmonica ajustée ou custom, et ça marche. Il y en a qui les ajustent pas, et ça marche aussi. Donc, casse-toi pas à trop la tête, dis-toi pas que c'est ton harmonica, c'est le temps et ton travail que tu vas investir pour y arriver. Explore, amuse-toi, puis après ça, je vais te montrer comment les intégrer dans des chansons ou des pièces qui va te donner encore plus de musicalité avec tes altérations. Bonne pratique et bonne frustration et bon plaisir. Inscris-toi à ma chaîne. À ma chaîne. Inscris-toi à ma chaîne. Puis appuie sur... je sais pas du où, mais appuie sur j'aime. Comme ça, si tu cliques j'aime, ben moi je t'aime. Puis si je t'aime, puis que tu m'aimes, on s'aime. On s'aime. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Oh, laisse faire. Mais je t'aime quand même.